Bien, salut les gens, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Sword. La dernière fois, on s'était arrêté devant la première arène. Je crois qu'on avait tout fait la dernière fois. Je ne me rappelle plus du tout parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé. C'est vrai, on avait un Pikachu, on avait un petit Charby. Ok. Du coup, la dernière fois, on s'était arrêté là. Je vais aller checker si on avait tout fait. Est-ce qu'on était monté voir la meuf là? Non, on n'y était pas allé. Ok. Donc c'est parti, je suis encore accompagné de ma bouteille d'eau, hein, parce que on boit beaucoup. Donc c'est parti, on va continuer ce jeu. Je vois une Pokéball là-bas, on va clairement aller la récupérer. Et du coup voilà, ça me fait plaisir, ça fait hyper longtemps que j'ai pas filmé, ça doit bien faire un mois je pense. Du coup on va reprendre tranquillement et je vais me réhabituer à parler aussi. Merci vol toutou. Vol. C'est mieux. Désolé de t'avoir fait venir juste ici, mais c'est pour une bonne raison, j'ai besoin de ton avis. Il t'évoque quoi ce géoglyphe? Le phénomène Dynamax. Clairement. Moi aussi c'est un Pokémon géant, j'en suis sûr, et notre ancêtre il y a 3000 ans avait beau avoir toute l'imagination du monde, je doute forcément fortement qu'ils aient dessiné ça sans avoir vu de Pokémon Dynamax. Comme je te l'ai déjà dit, il y a très longtemps, un tourbillon sombre est apparu dans le ciel. De Galar et des Pokémon géants ont alors saccagé toute la région. Ce tourbillon, c'était la nuit noire dont je te parlais, mais qu'est-ce que c'était au juste? Et quel est le rapport avec le phénomène Dynamax? Grand-mère m'a refilé le bébé, je dois coltiner toutes les recherches. En tout cas, merci, ça m'a bien aidé que tu me donnes tes impressions. En remerciement, je te donne cette carte de ligue. La fameuse collection de cartes de ligue. Percy est le champion de l'arène de type plante. Face à lui, mise tout sur les capacités feu, insectes ou vol. Et tiens, pour requinquer un peu ton équipe, bonne chance. Voilà, des petits rappels. Hop hop hop, allez en route, tu as un combat qui t'attend au stade de Greenbelly. Excellent. Excellent. Du coup, j'avoue que dans ce let's play, j'aimerais bien qu'on trouve un shiny ensemble. Je pense pas qu'on va en trouver un parce que clairement le taux de drop est assez compliqué. Mais vraiment, ce serait mon plus grand rêve en let's play. Genre juste pour en avoir un. Parce qu'on peut pas faire de live chasse parce qu'on n'a pas une bonne co. Du coup c'est dommage. Sinon j'en ferais mais directement. J'en ferais directement. Parce que je chasse de mon côté énormément. Je dois avoir une dizaine de shiny, je crois pour l'instant, je suis à une dizaine. Dites-moi si ça vous intéresse, peut-être une petite vidéo où je vous les montre, et où je sais pas, peut-être je fais un petit montage où j'essaye de chasser un peu en vidéo avec vous, je sais pas. Parce que je chasse sur ma Switch Lite, du coup je sais pas. Mate un peu ça, j'ai mon badge plante, j'ai trop assuré. Après, j'avoue, rassembler des bons moutons c'est carrément mon truc, limite j'ai ça dans le sang. Mais je sais que tu vas y arriver toi aussi, après tout, t'es ma rivale. Donc la première arène est l'arène de type plante. Hein, ça se voit à toute la verdure de l'extérieur, de la gueule du champion d'arène aussi, logique. Du coup, on devrait lui rouler dessus. Et il y a Monsieur Pokéball. Oui, c'est moi le bal masqué. La Pokéball que je vais te donner, c'est le symbole de l'amitié. Ah, le... Oh, c'est un jeu de mots. Copain Ball, ok, waouh. Une Pokéball un peu spéciale pour un Nico, ok. Copain Ball, il se lira d'amitié avec toi. Le mec, waouh, d'accord, j'avais pas le jeu de mots, excusez-moi. Bonjour Challenger, je suis là pour t'aider à t'inscrire. D'abord, laisse-moi te rappeler les grandes lignes du défi des arènes. Dans chaque arène ou stade, si tu préfères, tu devras accomplir une mission d'arène afin de pouvoir affronter le champion. Il te faudra vaincre les 8 champions pour récupérer leur badge respectif. D'accord. Tu veux que je t'inscrive pour la mission d'arène alors? Oui. Pour participer, il faut enfiler son uniforme. Ok. Excellent, du coup c'est parti, première arène, il a dit qu'il fallait collecter les moutons, c'est le début du défi des arènes pour toi, je connais à peu près le début du jeu parce que je l'ai fait il y a un moment du coup maintenant, mais c'est bien que je fasse ce let's play en décalé avec la sortie du jeu parce que du coup je me rappelle quasiment plus de rien vu que maintenant je chasse uniquement en fait, je chasse et je fais des raids et c'est vachement fun. Du coup, ouais, je sais pas, peut-être vous faire une vidéo un peu montée où on fait mass try jusqu'à avoir un shiny, ça peut être drôle. Parce que en général, les shiny ça prend plusieurs jours. Hein. Genre, Evoli, ça m'a pris
1900 œufs, je crois. Pas envie de mourir. Bien, je vais te décrire l'objectif de la mission d'arène de Greenbury. C'est simple et ludique, il faut courir après les moutons. Le but, c'est de les rassembler au pied de la barrière en bottes de paille. Ils feront bélier avec leur masse et elle s'écroulera, tu pourras ainsi avancer. Très bien. Mais en fait, je me suis pas présenté, je m'appelle Guido. Je fais office d'arbitre pendant l'émission et j'annonce également les résultats. Sur ce que la mission commence. Très bien. Bah nous sommes partis. Bon, le premier est pas compliqué. Ah oui. Ah, c'est pas droit, putain, j'avais oublié. Attends, là. Bon, ça va, c'est qui? Ils ont pas l'air trop chiants. Hop. Et voilà. Par contre, j'ai pas de chrono. Ah si, j'en ai un. Ok, ça va. Je croyais être dans la merde. Bam. Tant de violence. Ah, le vol toutou, oui. Il va casser les couilles. Ah non. Ah ouais, bah, aise. Ah, il y a un dresseur. Il y a un dresseur. On est obligé de l'affronter, malheureusement. Est-ce qu'on va gagner contre ce péon? Bah, de toute façon, moi, je fais beaucoup. On va faire tous les combats quasiment du jeu, je pense. Mais j'ai peur d'être... Deuxième, ma mission, c'est de te faire quitter ce patchage. J'ai peur d'être trop level et que mon Pokémon ne m'obéit plus. Ça, ça va me saouler si ça m'arrive. Ouais, c'est type plante, donc notre lapiro, il devrait leur rouler dessus. Ça devrait pas être trop compliqué. Ouais, bah, plus une trop charge, je pense. Level 16, quand même. Ok, bon, bah, ça one shot. Level 16, c'est quand même un beau level pour un simple soldat, j'ai envie de dire. Et du coup, j'ai vu un petit feuille, je peux le faire évoluer. Bah, j'ai pas la pierre, en fait, je crois. Je vais vérifier si j'ai une pierre plante. Si je l'ai, on fait ça, tout de suite, comme ça, c'est fait. Mais je crois pas. Hein. Ah ouais, bah lourd les objets, les gars. Ouais, non, j'ai pas de pierre plante. J'ai pas de pierre plante. Faudra en trouver une. Ce sera un peu notre mission. Et le Pikachu, on peut pas le faire évoluer vu que c'est le Gigamax qu'on va tester, qu'on testera. Je sais pas trop quand. Sur une arène où. Bah, sur l'arène où on testera Pikachu Dynamax. Gigamax. Parce que j'avoue ne jamais l'avoir joué. J'ai jamais joué aucun Gigamax, du coup c'est un peu triste. Mais oh, mais viens là, mon mouton! Insupportable ce Pokémon. Et qui tape son meilleur rage kit dès le début. Très bien, très bien. Je sais qu'on n'avance pas vite sur ce let's play. Hein. Ça n'a pas pour but de finir le jeu le plus rapidement possible. Parce que chez moi, il est déjà fini. Donc tant mieux, plus je suis lent, plus je vais l'oublier. Donc c'est bien. C'est juste. Parce qu'en fait, j'ai fini le jeu, mais en rushant. Du coup là j'ai vraiment envie de prendre mon temps et de découvrir l'univers de ce Pokémon parce que j'ai vraiment rushé en fermant les yeux. Donc... Lapiro. Alors bah même combat je pense à un Nitro Charge, ça devrait suffire. Pas trop compliqué. Je sais pas jusqu'à quel level m'obéit. Si c'est après le level 20 c'est un peu chiant. J'espère qu'il m'obéit encore un peu après parce que je suis level 19,5 quand même. Hein. C'est bon bah ça va. Je pense que le boss va pas être compliqué. Hein. Comment il s'appelle? Putain, une blondie. Percy. Je pense que Percy va pas être trop compliqué vu que bah, on est en train de littéralement one-shot tout le monde. Je pense qu'il doit avoir des Pokémon level 20 à peu près. Puis feuille level 16. Excellent. Je suis aux abois et Voltoutou se moque de moi. J'ai pas la blague. C'est une rime. C'est ça. Ok. Avec notre 11 sur notre t-shirt, hein, qui est le jour de mon anniv, qui était le 11 décembre. Et qui force un peu. Ok. Oh non! Quel bâtard! Allez, viens là. Ah, laisse tomber, on peut pas passer par là. C'est mort. On peut pas arrêter! Qu'est-ce que vous faites? On va passer par le mid. Bon, je vais te chercher après. C'est pas grave, hein. C'est une perte. Mangez-le! Ah non. Oh les dodges. Ah voilà, on en a déjà amené pas mal. Il y a deux Voltoutou là. Deux moutons. Du coup, on va faire le combat. Et on va ramener le dernier. Comme ça, on aura fait tous les combats. Le champion n'est plus très loin, mais tu n'auras pas l'occasion de l'affronter. Excellent. J'aime bien comment ils ont trop confiance en eux. Carla, la dresseuse d'arène, veut se battre. Ok.
car là on voit Croquine. Excellent. Nitro charge, très bien. Hop, continuons comme ça. C'est vrai, faut que je réfléchisse à quel Pokémon je veux dans ma team. Je veux qui, voilà. Je sais pas. Je sais pas parce qu'en vrai, je connais pas tant que ça, pas aussi bien les Pokémon que ça. Peut-être un Evoli pour le faire évoluer en je sais pas quoi. Mon starter, logique. Et après. Ah oui, Kellogg, on le garde, je pense. Il est trop bien. On le garde, mais on n'a pas évolué. Vampigraine, c'est intéressant ça. Ouais, par contre, Banishtrouille, faudrait que j'aille en recapturer un. Enfin, Pitrouille, bon, un Banishtrouille. Parce que j'ai pas le en ligne. Du coup, je peux pas. Quelle force, c'est bon, tu peux rejoindre le champion. Ouais, je peux pas l'échanger pour le faire évoluer, du coup, c'est pas grave. Ah ouais, du coup, elle a rappelé les vols tout. Bon, il est où le dernier là? Il y a une fille en plus. Allez! Normalement, après, on va arriver au maître d'arène. Du coup, je sais plus si j'ai exploré Greenbury. Mais putain, mais incroyable! Putain, j'en ai vu des mecs qui savent pas marcher, mais alors sûr. Je sais plus si j'ai exploré Greenbury. Ah, je sais plus du tout. Je sais plus. Dans le doute, on va réexplorer vite fait parce que de toute façon, on est déjà à 11 minutes. 11 ou 17, ça, 11. 11 minutes. On va pas commencer à marcher ici. Bah, on va voir. En plus, il y a le combat contre le champion et tout. C'est stylé un peu comment ils sont rentrés et tout. En vrai, c'est cool. Pokémon. Je pense que beaucoup de gens pouvaient être rebutés parce que Pokémon sur DS, pour l'époque, bah, c'était du pixel art quoi. Du coup. Ça donnait peut-être pas envie de jouer. Et du coup, l'évolution graphique qu'on a depuis Let's Go, même si là c'est vraiment un style graphique différent, Let's Go c'est vraiment fait, je pense, pour les. Franchement, 4-5 ans, je pense, les gens peuvent jouer à Let's Go, tu vois. Tandis que là c'est plus 7-8 ans, tu vois, 9 ans peut-être, tu vois, dans ces eaux-là. Du coup, c'est plus intéressant, je trouve, le style graphique. Et je le trouve vraiment beau. Le Vla Percy, putain, il nous casse en deux avec ses muscles. Mon arène est la première étape du défi. Les challengers défilent non-stop ici. C'est pour ça que je me dois de faire le tri avec une mission qui ne pardonne pas. Mais toi, Icarus, tu l'as accompli. Cette mission haut la main. Je n'en attendais pas moins de toi. Tu as de très bons instincts qui concernent les Pokémon. Tu les comprends. Ce combat s'annonce serré. Je vais devoir me servir de la puissance du Dynamax. Si je ne veux pas que tu me coupes l'herbe sous le pied. Bon, du coup, on verra pas le Pikachu Gigamax là. Parce que clairement... Je suis pas très bon en strat Pokémon. Mais électrique contre plante. Percy le champion d'arène veut se battre. Alors par contre, les OST des champions d'arène, je les oublierai pas. Ils sont trop bien. Ils sont juste trop bien, je trouve. J'aime trop. Dynamax. Quand il se trouve à certains endroits de galère, les Pokémon peuvent devenir gigantesques. Dynamax, cette transformation devient impossible lorsque le poignet Dynamax a brillé pendant 3 tours. Ok. Ouais, voilà, son tournicoton est level 19, donc ça devrait aller. Oh, ah, ok, il lui reste un PV. J'ai rien dit, my bad, j'ai cru qu'on avait le laver. Feuille magique. Ouais, voilà. Je vous annonce, hein, c'est d'ores et déjà gagné ce combat. Mais il a dit qu'il allait Dynamax, du coup il va Dynamax son deuxième Pokémon, c'est ça? Blanc coton. Vas-y, on va Dynamax aussi pour le style. Pas mal, pas mal. Ma foi d'agriculteur, je n'ai pas dit mon dernier mot. Envoie Blanco. J'ai un doute. C'est des nouveaux Pokémon, Blancoton et Tournicoton. Je crois, parce qu'ils ne disent rien dans les autres versions. Après, j'ai pas fait Ultra Soleil. Ultra Soleil et Soleil, j'ai très peu joué. Faudrait... Ouais, mais non, j'aime pas. J'arrive pas à accrocher à jeu, c'est incroyable. Je n'y arrive pas, je suis une intolérance. Je me suis dit, j'avais peut-être un problème avec la 3DS, mais non. XY, il est passé tranquille, mais pas lui, j'y arrive pas.
Dynamax en action, c'est l'heure de la récolte. C'est trop sûr. Je trouve ça trop sûr. Ah bah lui, il apporte aise hein, à la Pokéball. Et c'est son blanc coton Dynamax sur le terrain. Du coup là, on va peut-être pas one-shot. Hein. Je suis pas hyper positif. Ok, on le met mid-life, c'est pas mal. Du coup, ouais, on a le soleil, mais lui, il va changer le terrain aussi. J'espère que t'as les Gibbles solides, car voici la capacité de Dynamax. Stomax, forcément. On ne devrait pas prendre trop cher. On peut difficilement perdre, je pense, les gars, là. Ok, très bien. Un beau gazon sur le terrain. Ah du coup il va se soigner aussi. Hein. Ah du coup il va survivre un tour je pense. Dommage. Ok, il est mort. Nickel. Super efficace, blanc contre le KO. Bam. On dirait un mecha qui explose. Et voilà, du coup c'est gagné, c'est ça. Votre équipe a gagné les points d'expérience. Tout le monde prend son petit level. Pifeuille 17. Incroyable. Et voilà. Et c'est la fin de mon Dynamax. Parfait. Vous avez battu Percy, le champion d'arène. J'ai eu beau tout donner, tu m'as envoyé paître. Tu as du talent challenger, ça se voit. Ok. Ok, ok. Oh! Excellent! Mini Sang évolue. Je sais même plus en quoi il évolue pour dire. Il est beau. En vrai, il est beau. C'est un beau, c'est un bel oiseau de base. En bleu zeille. Ok. On gardera peut-être pas parce que c'est un oiseau. C'est assez basique hein, un Pokémon oiseau. Ton entraînement a porté ses fruits. Je te donne donc ce badge plante. C'est la preuve que tu as vaincu le premier champion du défi des arènes. Voilà, là. Ça y est, il est obtenu. Capture des Pokémon niveau 25. Pour compléter le défi, il va falloir que tu te glanais des 8 badges des divers champions. Et oui, tu as encore 7 champions à affronter et à vaincre, bonne chance. Du coup, il me faudra soit un Pokémon eau ou plante pour le prochain, vu que bon, ça me paraît logique qu'ils vont pas nous mettre le Ténèbre tout de suite, puisque je sais plus l'ordre, hein, j'ai oublié. C'était 10 feuilles magiques, ok. L'attaque qu'il a utilisée sur nous, ok. Uniforme de Percy, ok. Uniforme plante, excellent. Ah bah le voilà. 831 il a comme chiffre. Un conseil pour toi Icarus, il y a un ordre à suivre pour le défi des arènes. Tu dois maintenant emprunter la route 5 pour te rendre à Skiforg pour défier Donna. Mais rien ne t'empêche de faire d'abord un détour par les terres sauvages. Badge plante maintenant, maîtrise les bases. Plus haut niveau. Ok. Ok, excellent. Du coup, on n'a pas visité je crois la ville. On va revisiter vite. De toute façon, ça va aller vite, il y a 3 maisons. Donc hop. Je vais pas trop lire. Si tu tiens des fleurs dans les bras, si tu tiens des fleurs, les Pokémon viendront près de toi. Attendez, il y a un truc là. C'est quoi? Oh, il y a une Pokéball carrément. Trop bien. C'est quoi dedans? Rappelmax, putain. Ça me met bien. Plutôt cool. Plutôt très cool même. Ok, là il y a rien. Là il y a le centre Pokémon. Là il y a toi. Ne pas lésiner sur l'entretien de Tomatos. Ok. Y'a rien par là. Il y avait quelques gens à parler là-haut. Toi. Ok. On doit toi, Percy. Si tu n'as pas contemplé la vue en haut. Ok, rien ne t'empêche d'y retourner. Ce géoglyphe n'a pas le nom. Ok, n'a pas de nom. Très bien. Photo, mais cela rend hommage à la beauté du vrai. Mais au moins, cette photo m'aidera à me souvenir de l'émotion que j'ai ressentie en le voyant. Percy a perdu. Tu sais quoi, pareil qu'un trésor en feu à Greenbury. Il y a un indice sur ma carte, écoute ce que ça dit. Observe les stèles, mon premier est la plante, son deuxième est plus faible qu'elle, et le troisième finit la série. Observe les stèles.
Stèle. On vole. Mon premier est la plante, deuxième plus faible qu'elle. Ah, ok, d'accord, j'ai compris. Du coup, il doit avoir une stèle avec écrit plante. Voilà. Du coup, après, il doit avoir une stèle avec écrit eau. Et après, il doit en avoir une avec écrit feu. Eau. Là-bas, c'était vol. Là, c'était poison. Là, il n'y a rien. Là, c'était plante. Ah, il y en a une. Ah, ok, il y en a une là-bas. Celle-là, ça doit être la feu. Et normalement, ça doit être ça. Feu. Il y a quelque chose dans le sol. Ceinture pro, c'est ça? Ok. Puissance des capacités super efficaces. Très bien. Et on peut pas aller dans l'eau. Très bien. Bah voilà, on a tout visé. On va. Ouais, on va continuer un peu. Ok, allez, on fait ce combat contre elle, et puis après on va se laisser là. Je sais plus du tout combien de temps je faisais, mais 20 minutes ça me paraît bien. Là au moins on a fait quelque chose d'intéressant cette EP là. Prochain EP ça va être... C'est bien, c'est que comme ça le prochain EP ça va être un peu de marche. Et on ira jusqu'à Skiford, c'est ça le mot. Jusqu'à Skiford. Je vais pas mettre trop cher là, hein. C'est pas ouf. Hein. Vas-y, fais boulelec sur... vas-y, on assure le kill de Tic. Ok. Vraiment trop fort, mon lapiro. Et voilà, Tic qui meurt directement. Lapiro qui prend son level 21. Pikachu qui fait boulelec. Ok, Galvan qui prend que dalle parce qu'il est lui aussi de type électrique et je ne le savais pas. Excellent. J'aimerais bien un Galvaran. En vrai, Galvaran est stylé. Je sais pas s'il a une Evo. Je crois qu'il en a une, mais j'ai oublié le nom. Il attaque. Ok, c'est pas mal. Ok. Là, on va arriver à un endroit que je connais bien. C'est l'un de ces endroits que je connais bien dans le jeu. Parce que je ne bouge quasiment jamais de là. Je ne sais comment résumer mes impressions de Lynn. Quel potentiel exceptionnel. J'ai perdu. Est-ce que c'est dire que le reportage tombe à l'eau? 3600 euros. Parce qu'on arrive vers l'endroit que je connais extrêmement bien. Car cet endroit, les gars, c'est... Putain, il y a une Pokéball là. C'est la pension, hein. Là où on fait tout le bride du jeu. Là où en tout cas moi je le fais. Il y en a, ils le font dans les terres sauvages. Moi je le fais là. Du coup on va se laisser là, devant la pension. C'est pas mal. On va se laisser là. C'est un peu symbolique, tu vois. Je la connais bien cet endroit. Là je suis comme chez moi, tu vois. Du coup, on va se laisser là, en espérant que ça vous aura plu. On aura récupéré notre premier badge, celui de Percy, l'agriculteur. Dans le prochain épisode, on doit aller voir Donna à Skiford, de ce que j'ai retenu. Je sais plus quel type c'est. Du coup, on verra tout ça au prochain épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, vous abonner et à checker l'onglet communauté, où mon frère poste souvent des trucs et ça lui ferait très plaisir. Du coup, je vous dis à la prochaine et bye tout le monde. Oh, will you fucking fight back? Oh, will you fucking fight back?